Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Les gars, grosse info là, voilà. Lampard est limogé de Chelsea. Là, s'est fait limoger dans la journée, là, ce matin. Du coup, Frank Lampard, la légende de Chelsea, est limogé. Pourquoi? Ben, les gars, tout simplement, en fait, il y a eu des altercations. Enfin, des altercations, pas, ils ont pas venu aux mains. Mais voilà, il y a eu on va dire, des accrochements et un peu un clash, on va dire, entre Marina et je n'épellerai pas son nom de famille parce qu'il est un peu compliqué. Et Frank Lampard, donc la directrice générale du club. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que Lampard est viré. Et aussi dû à ses mauvais résultats, alors que, malgré le fait que, en fait, Chelsea a quand même dépensé 250 millions d'euros lors de ce mercato d'été. Voilà, avec le recrutement de Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Werner, Havertz, Silva, etc. etc. Même Edouard Mendy, par exemple. Et après avoir dépensé également 80 millions d'euros pour Kepa Arrizabalaga, Chelsea est 9e de Première Ligue et déçoit beaucoup alors qu'ils ont sûrement le 3e meilleur effectif En gros, ils ont le meilleur effectif d'Angleterre après Liverpool et Manchester City, selon moi, parce que voilà, ils ont vraiment des joueurs de classe mondiale et ils sont actuellement 9e et derrière des équipes qui ont un bien moins bon effectif. Je pense par exemple à Everton, voilà, ou à Leicester. Leicester et Everton, voilà, c'est pas des grosses équipes avec d'énormes budgets, d'énormes effectifs, tout ça. Mais voilà, pourtant ils sont quand même là, ils sont devant Chelsea. Chelsea déçoit beaucoup et c'est aussi pour ça que Frank Lampard part dû à ses résultats. Et mais le truc principal, voilà, 80% de son limogeage, parce que c'est quand même une légende du club, est dû à sa non comment dire, il ne s'entendait pas, sa non-entente avec les dirigeants du club de Chelsea. Et du coup, ben voilà, les Blues qui perdent Lampard. Et qui c'est qui arrive? C'est Thomas Tuchel, voilà. Les Parisiens qui, je pense, sont en train de plaindre les Blues, voilà, parce que déjà qu'avec Lampard, ça marche pas, alors avec Tuchel, ça va être encore pire. Non, mais après, voilà, peut-être que ça peut mieux marcher. Mais voilà, Tuchel avec Paris, clairement, il a détruit son image, il a été nul. Est-ce qu'il peut se racheter son image? Parce que là, ça semble quasiment officiel à 90%. Et pourquoi, surtout, ils prennent Tuchel? Après, peut-être c'est un coup de poker incroyable. Ou alors, pardon, c'est une totale erreur de la direction des Blues. Bref, voilà, mec, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, les gars. Seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.